Le président sud-soudanais Salva Kiir a dissous le Parlement et se prépare à la nomination des députés de camps opposés. Il a annoncé cette décision à la télévision publique samedi, sans donner de date à laquelle le nouveau Parlement commencera à travailler. Cette décision est conforme à un accord de paix de 2018 qui indiquait que près d'un quart des députés viendraient du parti de Riek Machar, l'actuel premier vice-président du pays, qui a formé un gouvernement de coalition avec Kiir l'an dernier. Les parlementaires ne seront pas élus mais nommés par les différents partis. Les militants et les groupes de la société civile se sont félicités de cette dissolution, mais ont également exprimé leur méfiance quant à la capacité du nouvel organe législatif à instaurer la paix dans le pays après 5 ans de guerre civile sanglante.